à droite. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, non, ouais. Eh, pourquoi tu filmes? Bah, David me l'a demandé, c'est pour le court-métrage. David me l'a demandé! C'est ma gueule en plus! Sérieux celui-là? Ah, c'est pas vrai quoi! T'es en retard, gars! Ouais, ça va, hein, on est là, non? Ouais, mais on a un horaire à respecter! Vas-y, monte! Ouais, monte! Dégage de là, quoi! Là. Ça va, Emily? Ça va, toi, Emily? Ouais, tu vas bien? Oh! Concentre-toi sur la route! Allez, on y va! Tu dirais pas un petit mot au spectateur sur le film? Ouais! Salut tout le monde! Moi, c'est David, en dernière année de l'INRACI. Pour mon TFE, j'ai décidé de réaliser un court-métrage, un peu thriller horreur. Ça s'appelle Le Monstre des Ardennes. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Ça va, c'est Mehdi. C'est... Quoi, Mehdi? Qu'est-ce qu'il fait, Mehdi? Bah, rien, je fais rien, moi, je fais rien. Concentre-toi sur la route. Vous avez un tour après, ça grimpe à gauche. Ah, la vieille gueule du réveil. Ah bah c'est le voisin Michel. Merde, je l'ai raté putain. Non bah t'inquiète, on le revoit plus tard. C'est Michel, je t'en ai parlé, il joue avec nous dans le film. Je savais pas moi qu'on allait tourner avec Michel Fourniret. C'est qui Michel Fourniret? T'es sérieuse Emily? Ah ouais, c'est qui? Tu connais pas Michel Fourniret? Non. Eh ben lui hein, c'est un pédophile. Un pédophile qui a tué et violé des filles en France et en Belgique. Non. Ouais, je te jure. Et on l'appelle même le monstre des Ardennes. Sérieux, c'est horrible cette histoire. Tu sais quoi? Non. Il a même pas été arrêté, le con. Non, sérieux, arrête. Écoute, Émilie, sois pas aussi conne, d'accord? Oh. Michel Fourniret a été arrêté le 26 juin 2003. Ok? Alors pas de panique ou quoi, ok? Et toi, arrête avec tes conneries, d'accord? Tiens, c'est ici à gauche, là. Où? Ici, ah, mais... à gauche, là. Voilà, on est arrivé. Ici? Ouais, c'est ici. Allez. Magnifique, non? Ouais, c'est vraiment parfait. Putain, sérieusement, c'est moche. Hein. Maintenant, je vais passer aux distributions de scénario. Hein. Comme ça, tout le monde saura ce qu'il aura à faire. Tiens, ça, c'est... Ah ben... Voilà. Toi, ton scénario, il est un peu particulier. Il est plus rempli. C'est pour le cadrage. Ok. Oh, bon, bah, prenez un petit temps pour le lire et me dire ce que vous en pensez. Hein. Ça fait toujours plaisir. Bah c'est pas très long en fait. Bah oui, c'est normal, c'est un court-métrage. Il fait une petite dizaine de minutes en grand maximum. Mais tu vois la scène finale? Ouais, bah quoi la scène finale? Bah elle me rappelle quelque chose. Hein? Ouais, évidemment, bah non. J'ai fait un clin d'œil au projet Blair Witch en fait. Ouais, pas la version de 2016, hein. Parce qu'elle est pourrie. Je te jure, elle est pourrie. Bon, c'était très drôle, d'accord? Mais tu veux bien qu'on répète maintenant? Ouais. Ok, ça va, on peut répéter, ok. Je propose qu'on fasse la scène de confrontation entre toi et moi. Quoi? Quoi, la scène de confrontation. C'est où, ça? C'est où, la scène de confrontation? Ok, d'accord, okay. Stop! Je sais pas. Stop! J'en ai marre de jouer, j'en ai marre de faire semblant. Tu croyais que j'allais pas me rendre compte? De quoi? Tu me prends pour un con? Hein? Il me prend pour un con en fait. J'ai pas compris là. De quoi tu parles? Tu baises ma meuf! Mais non hein! Tu croyais que j'allais pas le savoir? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes hein? Tu baises ma meuf, avoue-le! Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, ta gueule! Alors avoue-moi! Tu baisses ma meuf, oui ou non? Mais non, je baisse pas ta meuf hein! Si, tu baisses ma meuf, putain! Mais non, David! Avoue-le! Arrête! Ok, d'accord, j'arrête. Putain, mais j'ai vraiment cru, moi. Et après, je savais que c'était dans le script, mais là, putain, j'ai flippé, quoi. Vraiment belle performance. J'espère qu'on va tout filmer, hein. Tu dois t'inspirer de ça. Bon, c'est à quelle heure que ce Fourniret il amène ses fesses? Je sais, hein, dans une heure, dans une genre. Je me sens vraiment pas à l'aise de filmer, c'est bon. Oh, relax-toi, c'est... Ah, tiens, attends, parle du lourd, on va arriver. Comment t'as flippé? Stresse-toi, c'est un gentil fini, c'est bon. Peur. Voilà, Michel. Super, vous êtes arrivé, venez rentrer, je vous en prie. Faites attention, hein. Voilà, super, Michel. Je vous présente, bon, bah, Colin, cadreur, Mehdi, un ami, et ma copine Émilie.
Putain, mais trop louche ce type, quoi. Attends. Eh, David, il est sérieux, là? Eh, il est sérieux? Putain, il a payé alors qu'il a même pas tourné! Il n'y a que l'argent qui compte pour toi, on s'en fout, non? C'est quoi le problème? Ben ouais! Attends, c'est le seul bénéfice que je peux trouver dans ce tournage de merde! On s'en fout, attends, t'abuses. Eh, quatre fois ils l'ont refusé son court-métrage là. Mais on s'en fout du jury, putain, c'est pas ça qui est important, ce qui compte c'est le projet. Ouais, il est tout content maintenant. Putain, il fait froid dans vous. Là, je vous en prie. C'est bon les gars, j'ai formaté la carte. Allez, bon, oh, tout le monde prend sa veste. Hey, oh, tout le monde prend sa veste, on va y aller maintenant. Et on va où? Dehors. Et pourquoi faire? On va se mettre dans l'ambiance. Oh, ça va, ne parle pas comme ça, je veux dire. Voilà, j'ai pas envie de me faire tuer. Où est le problème? Viens, on dégage, Colin, viens, on dégage. Non, viens, on continue. Fais pas ta chacha, Colin, viens. Il est sérieux. Mais où est le problème, mon gars? On va se marrer. Ah, t'es cool. Allez, avancez. On avance, on y est presque. Allez, c'est fort. Les gars, c'est bon, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais Michel, pour être dehors. On commence, c'est rare. J'en ai marre de marcher. Colin, t'en as pas marre? Non, ça va, franchement. On était toujours d'accord avec David, de toute façon. Mehdi, tu veux pas rentrer? Mehdi, t'es où? Oh, putain! Eh, mais... Ah, je vous jure, elle est bonne. Putain, mais t'es sérieux? J'ai failli faire tomber la caméra, mec. Ouais, cool, c'est une blague, je te dis. Une blague? C'est mon masque, ça. Touche plus mes affaires. Hey, je t'ai dit, c'est une blague. C'est une blague. C'est la première et la dernière fois que tu touches à mes affaires, t'as compris? C'était une blague. T'es gueule. Et toi, t'as compris? Ah, garde-le, ton masque pourri. Quand la coupe la caméra, coupe. J'aime pas dire ce genre de truc, mais quoi? Ta copine elle est vraiment proche de Mehdi, non? Ouais, je sais. Ça fait un petit moment déjà. Pourquoi tu la quittes pas? Ce serait trop facile. Puis je me suis dit, autant profiter de la situation. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il est déjà 22h. Sérieux? Ouais, j'en sais rien. Il veut venir avec Michel, non? Apparemment, ouais. Wow. Putain. Pascal. Wow. Bah, c'est quoi ça? Passe quoi? Ah, c'est quoi ça? Putain. Eh, on n'avait pas dit qu'on allait faire une répète avant? Hein? David? David, tu fais quoi là? David, arrête! Ça va faire.